Alors maintenant, voyons les bulletins de la Grande Armée. Les bulletins de la Grande Armée de 1805 qui vont conduire à Austerlitz, il y en a 31. Oui, parce que le cinquième est en 5 bis. Il y en a 31. Si nous analysons ces bulletins par rapport aux trois axes de tout à l'heure, ça n'a jamais été fait, c'est différent. C'est un tel assemblage de récits, de valorisation des hommes. C'est aussi une façon de parler de l'empereur, non pas en propagande blanche, c'est-à-dire en disant « je suis le meilleur, hein, vous avez vu, je suis le meilleur ». Non, non. L'empereur est cité à la troisième personne, comme si le bulletin avait été rédigé par des journalistes. Alors qu'on sait très bien que l'empereur y avait mis la main, bien sûr. Des notations météorologiques. Sans doute pour rendre encore plus réel. Quand on dit « ah, il pleuvait beaucoup, il y avait de la boue partout », les gens qui lisaient ça disaient « oh, c'est vrai, sur la qu'est-ce qu'il a plu hein ?» Et ces bulletins de la Grande Armée, si nous les étudions en profondeur, nous apercevons que c'est un outil de communication fantastique qui réunit en même temps deux approches. L'aigle militaire, le logo de l'empereur, et les abeilles, qui est le logo civil de l'empereur, que nous avons vu au travail dans les masses de granit. À l'extérieur, les bulletins de la Grande Armée véhiculent une idée de la force formidable de cette armée, de la façon dont elle est organisée. Elle provoque très certainement des peurs, mais aussi de l'admiration. Si nous allons voir du côté des ennemis d'Austerlitz, Tolstoï, dans Guerre et Paix, le premier tome, il nous dit que le principal sujet des conversations des salons de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, c'est Napoléon. Alors, si nous regardons plus en profondeur ces bulletins, d'abord, la gloire des armées, la marche des succès. Alors vous me direz, mais c'est dangereux parce que, comme c'est élu partout, l'empereur donne, le bulletin de la Grande Armée, donne des positions de la Grande Armée. Oui, mais l'empereur faisait publier dans le Moniteur au minimum 6 jours après. Et en 6 jours, la Grande Armée, bien évidemment, s'était déplacée et les renseignements qui étaient donnés n'étaient plus exploitables. Mais pour, qu'est-ce qui se passe? Il soudait la nation, sa nation, sur les bulletins de la Grande Armée. Il regardait sur les cartes où étaient les leurs, les cousins, les frères, les fils, parce que je rappelle, on l'oublie tout le temps, sans doute, par rapport aux guerres actuelles, mais les pères de famille et les hommes mariés n'étaient pas mobilisables dans les armées de l'Empire. Donc à l'intérieur, il véhiculait la joie, la gloire, l'honneur, et à l'extérieur, ce dont j'ai parlé. Et si maintenant vous prenez ces bulletins de la Grande Armée, et que vous regardez les faits, et que vous vouliez les traduire en bande dessinée actuelle. C'est possible. Et nous aurions la colonne Vendôme. Quand vous voyez la colonne Vendôme, qui, vous savez, a été réalisée avec le bronze des canons pris aux Russes à Austerlitz, vous voyez que nous avons des bandeaux qui restituent visuellement ces fameux bulletins. Mais quand vous voyez ça, imaginez que nous déroulions ces bandeaux. Nous aurions ici une gigantesque fresque de bronze qui définirait, illustrerait le départ de la Grande Armée à Boulogne pour arriver à Austerlitz, la fameuse bataille des trois empereurs et des trois aigles. Nous aurions en fait une tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, qu'est-ce qu'elle reflète? La tapisserie de Bayeux, réalisé sur du lin, tissé avec de la soie, reflète, va nous révéler en bande dessinée, pour les gens qui ne savaient pas lire, les exploits de Guillaume le Conquérant qui, au XIe siècle, est allé à la conquête de l'Angleterre pour faire respecter une promesse qui a été faite par rapport à son héritage. L'empereur en était très conscient, puisque en 1804, quand il lui a eu besoin de développer une propagande contre l'Angleterre qu'il voulait envahir, il a fait déplacer la tapisserie de Bayeux pour qu'elle soit
exposés au Louvre. Alors qu'est-ce que nous avons dans ces bulletins de la Grande Armée? Nous avons une réalisation extraordinaire en temps réel d'une épopée culturelle qui est un outil de communication qui a une efficacité dans le travail des abeilles vers la nation et une efficacité avec le rayonnement, le regard et le vol de l'aigle à l'extérieur, provoquant à la fois l'admiration mais aussi la peur.